桜ひらひら舞い降りて落ちて揺れる想いの竹を抱きしめた君と春に願いしあの夢は今も見えて。Ouais ouais ouais salut ça va ouais moi aussi tranquille merci ouais c'est bien moi Donald Trump en personne j'avais des bails à régler avec mon cartel c'est pour ça que j'étais absent bref. Ouais, comment ça se fait que t'as pas rejoint l'Instagram d'Anto Sensei? Chaque semaine il poste un bail et en plus il te fait de la pub si tu dessines bien. Alors va tout de suite le rejoindre sinon, t'inquiète même pas, on va finir ça en tête à tête dans un endroit désert. Bon merde, il arrive, je me casse. Et oublie pas ce que je t'ai dit, hein, ta vieille tête là. Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais te présenter mon top 6 des animés où le héros a un pouvoir caché ou est tellement puissant et sauvage qu'il doit le cacher pour le bien des autres. N'hésite pas aussi à t'abonner si la vidéo te plaît. Je vois que tu regardes souvent mes vidéos mais que t'hésites à t'abonner. Donne-moi la ce fort, non? En plus, c'est gratuit. Sur ce, let's go! Are you listening? Secret 7. On sera entraîné dans la vie d'Alma Tandoji, un étudiant solitaire craint de ses camarades de lycée. En effet, celui-ci a apparemment, lorsqu'il avait 14 ans, envoyé à l'hôpital 18 de ses camarades de classe. Donc tu vois déjà que le gars est bien vénère. Cependant, notre petit délinquant a un intérêt particulier pour quelque chose qui ne te viendrait sans doute pas à l'esprit. En effet, notre petit délinquant de la campagne est fan de pierre. Oui oui, t'as bien compris, sa vie c'est ramasser des cailloux. C'est le genre de gars qui est capable d'aller en plein milieu d'une rivière bien dégueu pour aller ramasser ses petites pierres dans le plus grand des calmes. Bon, je ne juge pas, chacun ses bails. Un beau jour, une sorte d'aristocrate va venir chez lui accompagné de son majordome et va lui demander de l'aider à sauver le monde au calme. D'après elle, Tandoji dispose d'un pouvoir extrêmement puissant dont elle a besoin pour vaincre des monstres. Bien évidemment, notre petit délinquant campagnard va refuser, mais tu vas t'en douter que ce ne sera pas aussi simple que ça. En effet, comme par hasard, quelques heures après avoir refusé l'offre, la ville d'Alma va se faire attaquer par un monstre figeant les habitants en pierre. Et devine qui va finalement se résoudre à détruire ce monstre. Et oui, notre chère Alma. Ainsi, ce dernier, accompagné de notre petite aristocrate, Ruri Alba, vont donc s'allier pour détruire les monstres. Alors le début de cet animé ne m'a pas vraiment fait kiffer. Je trouvais ça très chiant et long à commencer. Au début, on suivra la vie de notre jeune Alma qui sera très ennuyeuse. Tu verras d'ailleurs qu'il semble vivre toujours la même chose et je rigole pas quand je dis ça. A chaque fois que tu le verras à l'école, il y aura toujours le même gars qui va se cogner à lui et s'excusera avec les mêmes gars qui vont rire en voyant la scène et la fermeront lorsqu'ils verront qu'Alma les regardera méchamment. Au début, je pensais que c'était pour nous montrer qu'il était dans une boucle temporelle, mais non, c'est juste que les gars de son lycée sont juste giga cons, ils font toujours la même chose. Par contre, lorsque j'ai vu les combats, alors là, j'étais énormément surpris. C'est comme si je regardais un épisode d'Adibou et que d'un coup, on me met des combats à la One Punch Man. Ouais, bon, j'avoue, j'abuse, mais l'animation des combats est juste excellente selon moi. Les chorégraphies sont cool, les techniques aussi, et t'auras la sensation de vitesse quand tu verras le héros se déplacer. C'est juste incroyable. Ensuite, tu verras que le héros est assez badass. Il ne parle pas beaucoup et n'agit pas souvent. Mais quand il se lance dans un combat, c'est pour faire du sale. Alors si tu kiffes les gros combats ultra bien animés, fonce, tu vas t'enjailler comme jamais avec cet animé. Saijaku Mo Ai no Bahamut. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Lux, l'ancien prince d'un empire tyrannique qui a maintenant disparu après un coup d'état. Aujourd'hui, pour expier ses fautes, notre ancien prince d'état tyrannique travaille comme une sorte d'homme à tout faire afin de rembourser la grâce qu'on lui a accordée en le laissant en vie. Cependant, suite à un incident, celui-ci sera contraint à rejoindre une académie formant des officiers royaux. Et bien évidemment, comme par hasard, notre petit Lux sera le seul garçon dans cette école. Donc t'inquiète même pas qu'il va s'enjailler comme jamais dans sa nouvelle école. Cependant, notre petit Lux cache un énorme secret qui ne doit pas être dévoilé par tous les moyens. Tu verras qu'il dispose d'un pouvoir ultra puissant faisant carrément de lui le gars le plus puissant de l'académie, voire de l'Empire. Ainsi, celui-ci va intégrer un escadron se battant contre des abysses, des sortes de monstres attaquant par moments l'Empire. Cependant, tu verras que ces monstres semblent être contrôlés par une personne que Lux connaît très bien, et qu'en plus de ça, quelque chose se trame en secret. Alors cet animé est vraiment pas mal, tu verras que Lux ressemblera énormément à Kirito dans la saison 1 de SAO. J'avais vraiment l'impression d'être avec un Kirito, mais avec des cheveux gris.
L'anime est du type mecha, donc si t'es pas fan de ce style avec des robots comme moi, ne t'inquiète pas, ce ne sera pas dérangeant. Tu verras souvent le héros à l'intérieur du mecha lorsqu'il se battra, donc ce sera pas trop chiant si t'es pas fan de ce style. Ensuite, bah ouais, fallait s'y attendre, mais cet anime contiendra énormément d'ecchi. Donc tous les petits coquins, vous allez bien vous enjailler avec cet anime. T'auras tous les genres de filles, la fille timide amoureuse du héros, la sœur du héros amoureuse du héros, la fille vénère amoureuse du héros, bref, tu l'auras compris, mais la plupart des filles seront amoureuses du héros. Mais à part ce côté ecchi, les combats seront plutôt pas mal, l'anime se laissera regarder tranquillement. De plus, tu verras le passé de malade du héros qui est bien brosson. En bref, si tu veux un anime de combat avec un Kirito aux cheveux gris, ancien prince d'un empire tyrannique, fonce vers cet anime, tu vas kiffer. And how careless we could be. Persona 4 The Animation, j'ai une petite question pour toi avant de commencer la présentation. Tu préfères quoi entre pouvoir te téléporter en plongeant dans tes toilettes, pouvoir lire dans les pensées des animaux, ou alors carrément entrer dans ta télé lorsque tu le veux? Tu verras que notre héros principal a l'un de ces trois pouvoirs. A cause du travail de ses parents, notre héros principal, Yu Narukami, va devoir emménager dans une petite ville campagnarde bien ennuyante. Celui-ci va devoir vivre avec son oncle policier ainsi que sa petite fille. Cependant, notre petit Yu va vite voir que sa nouvelle ville n'est pas si chiante que ça. En effet, des meurtres vont commencer à pop à plusieurs endroits dans sa ville, avec en plus des kidnappings à outrance. Et pour finir, parce que oui, seulement ça, c'est pas assez, notre héros va développer une compétence assez what the fuck. En effet, il développera la possibilité de pouvoir entrer dans n'importe quelle télé et ainsi atterrir dans un nouveau monde. Ce pouvoir te semblera au début grave nul, mais tu verras qu'il se cachera autre chose de largement plus intéressant derrière, ce qui fera que notre héros sera ultra puissant par la suite. Ensuite, comme tu t'en seras douté, notre héros ultra chanceux d'atterrir dans une ville aussi chelou va commencer à voir des connaissances à lui disparaître et même dans le pire des cas, se voir être assassiné. Celui-ci va donc utiliser sa capacité pour comprendre ce phénomène. Il sera alors accompagné de ses potes sûrs dans ses aventures. Alors cet animé est vraiment grave bien. Au début, je m'attendais pas à un tel développement. Je pensais que ce serait un animé banal, mais là, pas du tout. Il y aura énormément de combats mentaux entre les personnages. En fait, tu verras que les personnages, pour pouvoir développer quelque chose que je ne te dirai pas, devront s'affronter eux-mêmes dans un duel psychologique. Et j'ai trouvé le concept assez cool. En bref, ce sera du connais-toi toi-même avant d'affronter ton ennemi. Et tu verras que ce sera très dur pour certains personnages. J'ai adoré ces duels où toute l'hypocrisie des personnages est mise à jour, et ce même si le perso fait partie des héros principaux. En bref, c'est le genre d'anime qui te montre clairement que ce n'est pas parce que tu suis les héros principaux qu'ils sont clean à 100%. C'est comme si, en fait, pour te donner un petit exemple, Goku pensait au plus profond de lui que ses 18 étaient mieux que sa femme Chichi, et qu'il ne comprend pas pourquoi son vieux pote Krilin a réussi à la choper et pas lui. Tu vois le genre, tu pourrais pas du tout te dire que Goku aurait ce genre de réflexion, et c'est exactement ce qu'il se passera dans cet anime. Tu verras que certains persos auront des façons de penser grave tordues, malgré ce qu'ils laissent paraître. C'est un peu une critique de notre société où on ne dit jamais vraiment ce que l'on pense par peur de choquer, ou souvent par simple hypocrisie. Et je sais que tu t'y reconnais, alors fonce voir cet anime, tu vas kiffer. Et tu verras que t'auras sûrement certaines similitudes avec certains personnages bien brossons. Seiken Tsukai no World Break. Imagine que tu te réveilles dans un endroit, donc t'as perdu la mémoire, et là, deux filles viennent vers toi et se mettent à te parler. La première t'appelle par un certain nom et te dit qu'elle est ta petite sœur. Et l'autre t'appelle par un autre nom et te dit qu'elle est ta femme. Comment tu réagiras à cette situation? Et bah c'est exactement ce qu'il va se passer dans notre animé. L'histoire se déroule dans un lycée privé dans lequel les élèves ont tous une petite particularité. Bon, rien de bien ouf hein, en fait, ces derniers ont réussi à garder des souvenirs de leur vie antérieure. Ces derniers sont appelés les sauveurs et sont composés de deux types, les Shirogane, ceux qui peuvent se battre à l'aide d'armes, et les Kuroma pouvant se battre en utilisant la magie. Nous suivrons Moroha Aemura, un jeune sauveur qui va intégrer l'école. Celui-ci a une toute petite particularité. Apparemment, plusieurs personnes se souviennent de lui, mais dans d'autres vies antérieures différentes. Ce qui pose un problème, puisqu'un sauveur n'est censé n'avoir eu qu'une seule vie. Celui-ci va donc rencontrer sa soi-disant sœur, Satsuki, et sa soi-disant femme, Shizuno. Aemura va donc essayer de comprendre pourquoi il a vécu deux vies au lieu d'une, quel rôle il jouait dans les deux vies, et surtout, quel est son rôle à jouer maintenant. Et tu verras que notre héros était un putain de gars dans ses vies antérieures. C'était le genre à avoir dominé son époque, donc quand il se souviendra de tout, il deviendra ultra puissant d'un coup. C'est comme s'il était déjà fort, mais qu'il avait juste oublié sa force.
C'est assez chelou comme résumé puisque c'est rare d'avoir un animé de ce style, mais tu verras, c'est grave intéressant. J'ai vraiment bien kiffé le synopsis qui laisse pas mal de zones d'ombre tout en t'emmenant à penser que notre héros était quelqu'un d'extrêmement important dans sa vie antérieure. Les combats seront vraiment pas mal, sans oublier le chara-design du personnage principal qui m'a bien plu. Le gros avantage de cet animé selon moi, c'est que l'intrigue est vraiment très très originale. Donc ça m'a grave intéressé, surtout que lorsque tu verras les pouvoirs du héros, tu vas péter un câble tellement le gars était puissant. C'est comme si t'avais Naruto qui au fur et à mesure réveillait des nouvelles queues de Kyuubi jusqu'à atteindre la dernière et dévoiler son plein potentiel. Donc si t'aimes ce genre d'animé, fonce, tu vas kiffer comme jamais en l'envisionnant. I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning. Witchcraft Works. Alors que notre héros principal Onoka Takamiya sortait les poubelles de son lycée dans le plus grand des calmes, celui-ci va voir quelque chose tomber sur lui. Bon, rien de bien ouf hein. En fait, il va juste voir un putain de bâtiment aussi grand que la tour Eiffel et surtout apparu de nulle part s'écrouler dans sa direction. Celui-ci sera alors sauvé par la fille la plus populaire du lycée, Ayaka, une sorcière extrêmement puissante qui semblait le protéger depuis toujours. Notre petit lycéen qui voulait juste passer ses années lycéennes le plus paisiblement possible va ainsi remarquer qu'il est la cible d'énormément de sorcières random voulant apparemment récupérer quelque chose de très spécial dans son corps. Ainsi, nous suivrons notre Takamiya, la victime, dans ses aventures et surtout dans sa tentative de survie accompagnée de la belle Ayaka qui s'occupera de le protéger coûte que coûte. Alors cet animé c'est vraiment de la bonne, j'ai giga kiffé les chara-design des persos, ils sont vraiment très beaux à voir. Concernant les combats, ils sont super bien animés. Tu verras des grosses destructions de bâtiments avec un peu de CGI certes, mais qui ne sera pas dérangeante pour ceux qui n'aiment pas ce style d'animation. Elle sera super bien maîtrisée, l'intrigue sera très bien développée. Tu te demanderas ce que les sorcières veulent vraiment de Takamiya. Pourquoi Ayaka le protège au point de mettre sa vie en jeu pour lui, qui elle est réellement, et surtout, quelle est cette chose que renferme notre héros et que tout le monde semble vouloir. Pour ceux qui aiment les persos maîtrisant le feu, avec cet anime tu vas t'enjailler. Tu vas voir que Takamiya est une incroyable sorcière de feu. Sa puissance est vraiment 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 incroyable. Elle est du genre à pouvoir détruire une ville toute entière juste en claquant des doigts. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une héroïne principale aussi puissante. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresserait, un top animé avec cette fois une femme ultra puissante comme personnage principal. En bref, si tu cherches un anime avec des énormes combats de titan, une bonne intrigue et plein de petits mystères, fonce, tu vas t'enjailler comme jamais avec cet animé. Quanzi Fachi. Nous suivrons Mofan, un jeune étudiant issu d'une famille grave pauvre. Celui-ci, pour soulever sa famille vers le haut, va tenter de rentrer dans une prestigieuse école de magie. Cependant, notre petit Mofan est grave nul en cours. Ainsi, il échouera malheureusement à tous ses examens d'entrée. Son daron, voyant les échecs de son fils et voulant l'encourager, va faire une chose vraiment ouf pour l'aider. Et quand je te dis que c'est ouf, c'est ultra abusé. Son daron va juste, dans le plus grand des calmes, vendre sa maison pour financer les études de son fils. Ce qui est vraiment 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 un acte d'amour incroyable. Mofan, voyant l'énorme sacrifice qu'a fait son daron, va décider de se donner comme jamais dans sa nouvelle école et de devenir le numéro 1. Cependant, notre héros est dans une grosse école de riches et tu t'en doutes qu'un pauvre comme lui va se faire insulter et victimiser comme jamais. Mais crois pas que notre Mofan est une pleureuse. C'est le genre de gars qui, lorsqu'il se prend une petite tape sur le visage, pourrait te tabasser à mort pour se venger. Donc oui, c'est un peu un garçon à problème. Cependant, Mofan semble disposer de pouvoirs magiques incroyables et d'une puissance inouïe. Mais dans le but de ne pas se faire remarquer, il les cachera pour continuer sa petite scolarité au calme. Alors cet animé est avant tout chinois, c'est donc un donghua. Je l'ai d'ailleurs déjà présenté dans mon top 10 des animés chinois que je te conseille d'aller voir d'ailleurs. Tu verras que les chinois font des choses vraiment pas mal. J'ai juste ultra kiffé cet animé. Tu verras que notre héros est un vrai gars avec un fort caractère. Le mec sera détesté par toute son école parce qu'il n'a pas d'argent. Même les professeurs et directeurs de son établissement l'insulteront et lui feront du sale. Mais lui va réussir sans même le vouloir à faire tomber amoureuse de lui la fille du directeur, qui est aussi connue comme étant la fille la plus belle du lycée. Et tout ça dans le plus grand des calmes. Tu ressens le manque de respect ou pas? Le gars, tout le monde le considère comme une merde, mais il réussit à choper celle que tout le monde convoite. Mofan est vraiment le style d'héros d'animé que j'aime bien. C'est un gars qui a confiance en lui, qui est puissant et qui est arrogant comme jamais. J'aime bien ce genre de personnages qui font qu'il est impossible de t'ennuyer avec eux. Mofan est le genre de gars qui veut être le meilleur et qui est capable d'aller provoquer l'élève le plus fort du lycée juste pour lui prendre sa place. Ce gars n'a pas de temps à perdre. Il veut faire vivre sa famille confortablement, alors il va se donner pour atteindre son objectif. Ensuite, concernant les animations, c'est plutôt bien. Bon, c'est pas ouf ouf non plus, mais le style chinois devrait te plaire quand même. Les OST quant à elles sont normales. Pour les voix des personnages, tu seras peut-être déstabilisé en regardant la version
version originale sous-titrée. Tu t'en seras douté, mais à la place d'entendre du japonais, ce sera du chinois. Donc si t'es pas habitué, ça peut être dérangeant. Mais tu t'y feras rapidement. Mis à part ça, l'anime est vraiment enjaillant à regarder. Alors si t'as rien à faire et que tu souhaites t'amuser, fonce, tu vas kiffer comme jamais. Si tu recherches un anime avec un héros badass, cet anime est fait pour toi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, ça m'encourage. N'hésite pas aussi à exterminer, à faire du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre crier depuis chez moi. Si t'as des propositions de vidéos, mets-les en commentaire. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.